Salut à tous, salut, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo les gars. Et n'oubliez pas que ce samedi c'est la LaSalle Cup. Donc n'hésitez pas à venir nombreux à 21h pour le live. Donc c'est pas à 19h cette fois-ci, mais c'est à 21h pour la LaSalle Cup en live. Et aujourd'hui je vais vous présenter la toute nouvelle voiture qui est sortie tout à l'heure. Bon, j'ai sorti un petit peu tardivement, mais elle est là. Alors c'est pas une nouvelle voiture, c'est plus une nouvelle simulation. Enfin c'est une voiture Benise. Donc on va aller voir ce que ça donne. La Brioso 300. Regardez-moi à quoi elle ressemble en normal. Donc c'est la petite Brioso toute simple. Donc vous allez tout simplement ici sur votre petit téléphone. Vous allez dans Voyage et Transport, dans Benise. Et voilà le nouveau véhicule de jeudi. Donc c'est la Grotti Briosi 300. Donc qui coûte 610 000 sans customisation, tout ça. Donc voilà, 610 000. Après, bon, forcément, c'est une petite voiture. Donc le prix, c'est normal qu'il soit à 610. Ouais, il va pas être à 1 million, il va pas être à je sais pas combien. Enfin, c'est tout à fait normal bah, qu'il soit à 610, quoi, j'ai envie de dire. Donc là, ce qu'on va faire, les gars, c'est qu'on va aller voir en termes de customisation ce qu'elle donne. Est-ce qu'elle est bien ou pas? Est-ce que on peut aller vite avec? Est-ce qu'elle a une bonne tenue de route? En tout cas, pour le moment, là, il pleut un peu. Mais pour le moment, ça m'a l'air de plutôt bien tenir la route. Ouais, bon, après, c'est une Brioso, donc forcément, c'est pas non plus, tu vois, les véhicules dégueulasses. Mais ça me fait un peu bizarre le fait d'avoir une Brioso chez Benise, quoi. Enfin, je veux dire, une Brioso, c'est une mini, quoi. Donc, hâte de voir comment on va pouvoir transformer tout ça. Alors, c'est parti. Et bon, ça fait longtemps qu'on n'a pas été chez Benise, en plus, les gars. Alors, véhicule. Mali. Alors, transformation Benise 585 000. Alors, on l'a acheté 610. On est à 1 million 1 à peu près. On va dire, ouais, 1 million 1. Alors, hop, carrosserie. On a quoi? On a ça. Ok. Je pense qu'on va le laisser. Frein de course, pare-choc. Alors, qu'est-ce qu'on a en pare-choc? Alors, je vais regarder de base. De base, c'est beau. Attends, voir ce que ça nous propose. Tourisme et... Ah, je suis pas très... Ouais, quoique, ça j'aime bien. Ouais, la limite. Pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas. Pare-choc arrière. Alors, on a ça. Le... De base, il est comme ça. Et sinon, on a ventilé comme ça. Ah, je préfère le... Je préfère celui-là. Je préfère de série. Bon, c'est vrai que le véhicule de série, il est plutôt beau. Bloc moteur, ouais, ok. Ça, niveau 4. Échappement. Alors, double chromé en angle et comme ça. Explosif, je sais pas. L. On a plusieurs L. Moi, je vais mettre ça. Moi, déjà, ça fait bizarre de voir comme ça la Benise. Oh! Alors, on a 40 comme ça. Ah, la 40, c'était ça. Ah, ouais, en fait, c'est le pare-choc. Oh, pas mal comme ça. Mais bon, pour le coup, je préfère comme ça. Tu vois, ça fait vraiment bien, 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 bien vénère. Honnêtement, c'est plutôt pas mal, les gars. J'aime bien. Voilà, je prends mon tir, j'aime bien. Non, je sais pas, moi, j'aime bien. Ensuite, visière de phare. Ah, ouais, on a les phares bleus et tout. Oh, pas mal comme ça. La couleur de Brioso. Ouais, mais attendez, il y a v'là les custom en fait. Capot perforé. De série, c'est beau, hein. Écoutez, j'aime bien comme ça, capot perforé. Klaxon, je sais pas, habitacle. Alors là, ça va être pas mal. Couleur partielle, ok. Les portières, on va les mettre 100, c'est bien. 100, c'est bien. Siège, GT carbone, forcément. Au niveau du volant, le volant de base est pas mal. J'aime bien comme ça. Non, c'est pas. Ouais, c'est celui-là, pardon, excusez-moi. Couleur éclairage. Ça, je pense qu'un bon. Un beau jaune racing, ça fait pas mal. Ensuite, éclairage, ouais. Ok.
Alors la couleur, j'ai pas encore choisi. Ah, les motifs. Alors qu'est-ce qu'on a comme motif sur ce véhicule? On a pas mal de motifs. Ah ouais, elle est belle aussi comme ça. Je crois que je vais la mettre comme ça, les gars. Ouais. Je vais la mettre comme ça. Exactement comme ça. Ouais. Les rétros, bon, c'est pas non plus des trucs de fou. Alors la plaque jaune sur noir, forcément. Peinture. Alors c'est ça, en métallisé. Et on va mettre du jaune racine, les gars. Ah ouais, là j'aime bien, tu vois. Ah, mais quoique. Attendez. Couleur secondaire, métallisée. Je vais mettre du jaune racing aussi, mais le problème qui me plaît pas là, c'est. Ça, je vais laisser en noir. Ça fait un peu bizarre avec le fait que ça soit un peu. Je vais la mettre en mat, je pense. Je pense que je vais la mettre en mat, les gars. Mat jaune, ok, c'est pas mal. Couleur secondaire mat et on va mettre du jaune. C'est vrai que je mets jamais les véhicules en jaune. Allez, je la mets en mat, voilà. Allez, c'est parti. Hop. Ça, on met. Toi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, pas mal le toit comme ça. Oh, toit ouvrant. Ah, c'est beau. Non, ça, c'est pas beau. Honnêtement, ce qui me plaît plus, c'est lui, tu vois. Vendre, non. Alors, ça, qu'est-ce qu'on a? Ouais, ça, on va mettre ça direct. Oh, wow, les ailerons. Alors, endurance, ok. What the fuck? What the fuck? C'est quoi les ailerons de fou là? Oh. Oh, ouais, je mets celui-là direct. Suspension de course. Transmission, hop. Ah, ouais, mais c'est abusé en fait. Je pense que je vais mettre comme ça. Turbo, on met. Oh. Alors les roues je pense qu'on va partir sur des bénises. En jaune, non, des bénises jaunes. Attendez, je vais faire un truc. Je vais mettre du jaune tout simplement. Voilà. Et là, tu vois, je vais partir sur un. Alors, qu'est-ce que je peux mettre? Ok, je vais partir sur ça, les gars. Ok. Ensuite, pneus. Amélioration des pneus. Oh, ouais. Ça, c'est pas mal, ça. À l'épreuve des balles, fumée de pneus. On met. Oh, il y a des promotions sur les trucs. Jaune. Vitre, limousine. Et on a fini, les gars. Il nous manque plus que la couleur. Enfin, que le. Alors, c'est éclairage, kit néon. Couleur néon. Et on va mettre du jaune. Donc voilà ma custom, plutôt pas mal, hein, j'aime bien. Elle est vraiment vraiment belle les gars, pour le coup. I kiff it. Voilà la customisation de mon véhicule, la Brioso 300. Je la trouve ultra ultra belle. Ah ouais, honnêtement, honnêtement, elle est plutôt pas mal. Bon du coup, on va tester les gars la tenue de route, voir si elle tient bien la route ou pas. Je pense qu'elle tient bien la route, elle est plutôt pas mal. Ah ouais, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Ouais, là, franchement, elle me tourne. Par contre, il est vraiment beau. Le véhicule, c'est abusé. Ah ouais. Elle a une bonne accélération, ça va. Bah, elle a une bonne accélération, vraiment. Oula. Elle a une bonne accélération, elle tient bien la route, tu vois, ce qui est plutôt pas mal pour une Brioso. C'est vrai que les Brioso d'habitude ils tiennent plutôt bien la route. Ouais, elle accélère bien. Ouais, franchement, non. Franchement, elle est pas mal. Voilà, elle est pas mal du tout. Bon, en tout cas, les gars, j'espère que cette petite vous a plu.
On se retrouve samedi à 21h pour la LaSalle Cup. Sur ce, ciao ciao.